Bonjour mes belles âmes du signe du Capricorne en signe solaire, ascendant et lunaire. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 11 février au 17 février. Je ne me présente plus. Je, je, vous pouvez trouver, trouver tous les renseignements me concernant dans la barre d'infos sous la vidéo. Comme ça, je gagne un petit peu de temps encore avec les vidéos parce que je crois qu'en ce moment, je suis en plein en pleine course après la montre je, je ne sais pas comment c'est pour vous mais moi j'ai l'impression que les journées passent de plus en plus vite donc voilà je pense que c'est ce qui arrive quand on est très occupé je ne sais pas mais en tout cas voilà donc je cherche à gagner du temps euh, de partout je crois <laughs> voilà alors on va regarder tout de suite très vite vos énergies pour cette semaine avec le tarot alors vous entrez dans la semaine avec l'énergie du 7 de bâton le set de bâton, ça vous parle d'endurance, de défendre son territoire, de défendre ses idées, de se défendre tout court contre des des, 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 oui, des, des personnes qui vous attaquent, des détracteurs. Euh, C'est tenir aussi bon, tenir bon euh, jusqu'au bout, faire ses preuves, euh, ouais, tenir, euh, être sur la défensive parfois aussi, ou avoir l'impression de devoir toujours se, ju se justifier. Donc vous tiendrez bon, vous rentrez dans la semaine avec une énergie endurante, prêt à tenir bon à, à, malgré tous les obstacles que vous pourriez rencontrer ce, cette semaine. Votre état d'esprit, c'est le page de bâton. Alors c'est un petit peu le page de bâton inversé. Vous ne saurez peut-être pas vraiment exactement ce que vous voulez cette semaine en fait, les amis Capricorne. Vous allez être... Euh, ou alors carrément ne pas savoir ce que vous voulez, mais ne pas savoir quoi faire de votre vie. Euh, vous n'aurez peut-être pas envie, vous allez manquer d'envie. Il y aura un déficit d'attention. Euh, vous pourriez avoir envie d'autre chose, mais sans vraiment savoir quoi. Ou alors être travaillé dans un domaine où, qui ne vous, vous passionne pas. Euh, voilà, il y a, c'est aussi pouvoir avoir du mal à reconnaître, ou à suivre son désir, voilà aussi, faire passer ce, le désir des autres avant le sien, euh, ne pas ne pas en, ne pas suivre son envie de liberté, parce qu'en plus avec le fou en dessous qui en appuie en soutien, il y a une très grande envie d'indépendance et de liberté euh, pour vous cette semaine. Mais il y a une dualité parce qu'effectivement, entre le, votre état d'esprit où vous, vous êtes un petit peu perdu, vous, avez, vous manquez d'enthousiasme et d'entrain, de, d'envie, euh, en même temps, votre objectif cette semaine, c'est le 10 de denier. Le 10 de denier, ça parle de transmission. Alors, je pense que vous, vous serez peut-être plus sur la transmission de valeurs, la transmission peut-être de partage de richesses aussi, ou, ou c'est ce que vous aimeriez, en tout cas, c'est votre objectif. Euh, c'est ce que vous souhaitez pour vous cette semaine, c'est pouvoir transmettre, euh, partager les, euh, votre richesse. On peut parler de liens familiaux aussi, peut-être vous rapprocher euh, de votre famille euh, ou transmettre vos valeurs euh, morales, financières, euh, quelconques. Hein, euh, voilà. On peut parler aussi de faire partie intégrante d'une communauté, d'une tradition où chacun fait sa part. Euh, faire en sorte que la famille, les enfants euh, ne manquent de rien, on peut parler d'entraide familiale aussi, on peut parler de, euh, de, 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 de valeurs euh, de, de transmission euh, multigénérationnelle aussi. Euh, vous pourriez aussi vouloir attendre l'approbation, une approbation de vos parents, ou voilà, euh, vouloir vous inscrire dans une lignée. Euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour du 10 de Pentacle. Et du coup, en appui, en soutien, donc comme je le disais tout à l'heure, vous avez le fou. Et le fou, c'est celui qui s'en va, qui, qui recommence à zéro, qui prend un nouveau départ, mais un nouveau départ sans savoir où ça va l'emmener en fait. Euh, il y va avec confiance quand même, il se jette à l'eau, euh, il part sans réfléchir, euh, il part à l'aventure, il se dit on verra plus tard. Donc euh, en force, en soutien, cette semaine, vous avez cette... Peut-être cette confiance en vous, dans le sens où tout ira bien, même si, ou alors on vous le dit, on vous le dit, allez-y les Capricornes, écoutez vos envies, euh, ce que ce que vous souhaitez faire, trouvez ce que vous souhaitez faire et allez-y, allez-y avec confiance. On peut parler de, de de faire le premier pas aussi dans du relationnel, de de repartir à zéro avec confiance, ça je l'ai déjà dit, de dans oui, mais dans une relation nouvelle ou re, ou renouvelée, euh, voilà, il y a il y a quelque chose qui vous qui va vous porter pour, pour vous aider à vous lancer, même si euh, vous ne savez pas vraiment euh, où ça vous mène. Après, on peut aussi parler d'un état d'un de, de, comportement, vous pouvez, mais qui serait quand même positif, c'est-à-dire on pourrait aussi vous dire de garder un certain optimisme, euh, une innocence, de l'insouciance et de la spontanéité. C'est ce qui sera votre. votre bah, qui fera votre force, votre appui, euh, qui, qui vous aidera euh, cette semaine. Ensuite, en contrainte et en défi, vous avez eu le 6 de coupe et la reine de pentacle, la reine de denier. Alors là, selon votre situation, ça peut parler. Si vous êtes un homme, on peut parler d'une femme indépendante qui gère très bien son environnement, euh, son quotidien et qui aurait des enfants, et ça pourrait être une contrainte. Euh, ça peut être euh, une contrainte. Voilà après euh, avoir. Ensuite, euh, on peut aussi parler en fait de... Dans dans la le 6 de coupe en position de problème ou de, de contrainte ou de défi, euh, vous pourriez peut-être... Euh, on peut vous dire de ne pas donner trop facilement. Euh, on peut vous dire peut-être que vous allez avoir... Vous serez peut-être dans la peur, et on, dans ce cas-là de ne pas le faire, de la peur de, de, de donner trop ou la peur de recevoir, et aussi vous pourriez avoir du mal à croire euh, bah, que peut-être euh, se lancer comme ça, euh, euh, transmettre des valeurs. Ou autre chose, hein. il y a, a peut-être quelque chose auquel vous n'arrivez pas à croire que ce soit aussi simple ou si facile. Soit c'est en lien avec de la gestion financière, euh, des craintes, parce que la reine de, de Denis en, en position de problème, c'est aussi euh, euh, des pressions financières, euh, ou soit ne pas réussir à bien investir, à s'investir euh, dans son environnement, euh, comme si on était un peu maladroit, avoir les mains gauches, avoir du mal avec le côté finance, matériel aussi. Peut-être que vous allez avoir du mal à gérer votre quotidien cette semaine. Semaine, ça va peut-être être compliqué. Vous allez peut-être négliger des questions un peu pratiques ou avoir du mal à maîtriser votre 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 quotidien. Peut-être parce que vous n'avez pas trop envie de faire ou pas trop envie de donner. Euh, il y a quelque chose comme ça, voilà, qui sera un petit peu compliqué pour vous. Il y a peut-être euh, ouais, des difficultés financières, une, une des difficultés au sein de votre foyer qui qui vous empêche d'être euh, bah, d'être bien, d'être... De, de profiter des vôtres, d'être... Euh, euh oui, d'être euh, bien avec euh, les vôtres, euh, autour de vôtres. Parce que juste en dessous 10 de, de pentacle, on parle beaucoup de la famille quand même, là. Du foyer, le 6 de Coupe, c'est la nostalgie. En temps normal, c quand il est en position euh, euh, positive, hein, bien inspecté, on va dire. Euh, c'est la nostalgie, c'est le passé, c'est c'est les enfants. Euh, voilà, y a, ça, vous, votre défi, ça peut de sortir aussi, être peut-être plus spontané. Moins euh, dans euh, justement le pratique, le, le, le pragmatisme, euh, de ne de, de peut-être pas trop penser à la peur du manque, de, 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 de ne pas gérer à la pression financière plutôt, voilà, c'est ça. Et vous allez peut-être manquer de, de spontanéité, d'insouciance par rapport à ça, parce que c'est vraiment un peu l'inverse du coup du fou, hein. Mais bon, ça devrait pas trop durer puisque vous sortez, euh, vous quittez la, la semaine avec l'énergie de l'As de bâton qui vous parle d'enthousiasme, d'une de, nouvelle étincelle, d'un nouveau début, un coup d'envoi, euh, d'excitation aussi. On peut parler aussi de, de beaucoup de désir, naissance d'une... Un, la naissance d'un nouveau, la la nouveau désir ou une forte envie de sexualité aussi. Hein. Euh, succès, ça parle aussi de succès. Les as, c'est toujours quelque chose euh, des cartes qui, qui, qui apportent de la chance, des très positives. Donc euh, succès, opportunité, très belle énergie, désir, passion, inspiration. Voilà, donc euh, un domaine passionnant aussi qui donne envie d'aller plus loin. Alors il se pourrait que... Entre le début de semaine où vous n'êtes pas trop inspiré, où vous manquez de, vous ne savez pas trop exactement ce qui, ce qui, ce que vous, ce que vous souhaitez ou ce que vous faites, comment, enfin, le sens de votre vie, voilà, pardon. Il ben, se pourrait qu'en en, en fin de semaine, euh, il y ait quelque chose qui, ben, qui change par rapport à ça, parce que l'as de bâton, c'est vraiment une nouvelle passion. Alors, ça peut être relationnel aussi, ça peut être aussi un retour de passion dans le couple. Euh, justement, si vous si vous prenez plus euh, en appui le fou et restez spontané, et en ayant confiance que les choses vont s'arranger, s'il y a des petits soucis financiers, des petites pressions financières, euh, peut-être on vous dit euh, euh, bien, pensez à la passion et au désir dans votre couple plutôt que de penser à tout ce qui est quotidien, la gestion du quotidien, le, le, les enfants, le sport, l'école, le, les courses. Bon ben bah, voilà, lâchez prise. Partez peut-être en week-end, en amoureux, parce que c'est la Saint-Valentin en plus cette semaine. D'ailleurs, du coup, on va regarder tout de suite. Alors, on va faire un petit tirage avec l'oracle. L'oracle des miroirs, j'avais un trou. Et puis, euh, après, on va, on va faire plusieurs euh, petits messages sentimentaux euh, spécial pour la Saint-Valentin. Allez, s'il vous plaît, les guides. Les messages pour les capricornes. Alors, je vais essayer de ne pas bouger de téléphone, ça serait bien. Allez, les messages pour les capricornes. Si ça ne vient pas, je vais aller les chercher. Hop, Amitié. Allez, on va prendre 6. Donc on peut parler d'un homme ou de, de se mettre en action. Accusation. Alors il peut y avoir des disputes, des conflits dans le cercle amical. D'accord, contrat. Alors c'est peut-être des collègues de travail au sein de, de, du travail. Vous pourriez prendre la parole si vous êtes un homme ou en tout cas même si vous êtes une femme... Euh, vous, euh, comment dire bah, Prendre la parole quand même, c'est-à-dire vous mettre à l'action, euh, décider de, 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 bah, de, de dire ce que vous pensez euh, de cette ambiance peut-être aussi ou d'accusation. Alors, on a la joie qui est tombée, qui a sauté. Est-ce que vous voyez Je vais remonter un petit peu. Voilà. Et on a quand même la trahison qui s'est retournée, mais qui n'a pas vraiment sauté. Hein. Donc, on va la laisser. Alors, effectivement, là, avec le contrat, alors, soit il y a, il y a des négociations avec euh, des proches, des, des amis par rapport à un arrangement. Euh, il y a beaucoup de discussions, il va y avoir beaucoup de discussions par rapport à ça. Euh, ça peut être aussi beaucoup de ragots, de commérages. On peut parler de ça. Il, y a, il y a, en tout cas, il y a des accusations, des reproches. Peut-être parce que justement, euh, alors c'est bizarre, mais est-ce qu'on, est-ce qu'on, vous êtes dans une période où vous avez beaucoup de joie, de bonheur et que on vous, le, on vous le jalouse euh, Il peut y avoir de ça parce que peut-être vous étiez engagé pour. Euh, je ne sais pas, par rapport à un ami ou une amie, et que, bah que du coup, y a, y a, vous n'allez peut-être pas tenir les engagements parce qu'il y a un autre événement, ou peut-être vous pourriez être... Voilà, Alors, on peut parler aussi de cérémonie, de, de fête, là, vous pourriez être accusé lors d'une fête, d'une cérémonie, d'un... de quelque chose, ou avoir des reproches, ou c'est vous qui le faites Faites ces reproches, ces accusations. Euh, voilà. Euh, ouais, euh, contrat. Ça peut parler de travail, de collègues de travail aussi. Ou peut-être euh, par, euh, voilà, de travailler ensemble avec des gens qui sont des collègues qui sont, vous connaissez depuis longtemps, donc qui sont quasiment des amis. Alors, il peut y avoir un accord qui, qui sort après euh, des accusations ou des reproches ou de pointer du doigt quelque chose qui ne va pas et un nouvel accord qui peut être signé. Euh, et qui apporte du coup beaucoup de joie et de bonheur aussi. Il peut y avoir ça. Euh, vous pourriez aussi trouver un nouveau contrat de travail grâce à des amis euh, qui euh, en fait. Euh, alors l'accusation. L'accusation, bah, ça peut être en fait relever le fait que... Ouais, par contre, là, du coup, euh, peut-être qu'on vous a reproché de, de ne pas travailler, justement, ou euh, autre que vos amis, en fait, dans le foyer. Euh, justement, on peut voir avec le tarot d'avant la pression financière, peut-être qu'il y a eu des reproches, des choses comme ça, on peut parler de ça aussi. Euh, peut-être que c'est un homme qui vous, qui vous a dit hein, ça peut être on peut, on peut parler d'un banquier de vous pourriez avoir eu voilà la pression euh, d'un organisme quelconque pour euh, quelque chose comme ça on peut parler de ça aussi euh, on peut parler aussi lors d'un entretien de pointer euh, justement de venir vous pointer des choses qui pourraient ne pas convenir sur le poste on peut parler de ça aussi de faire attention à ça voilà, je pense que là, j'ai fait le tour. Il y a pas mal de messages. Euh, ouais. Voilà, je pense que c'est bon. On va regarder tout de suite pour le sentimental. En plus, je sais que c'est ce que vous préférez. Allez, par quoi je commence Je vais commencer par euh, des petites cartes de l'oracle à haute vibration. Allez, on va demander 4 cartes pour les capricornes. Oh bah, j'en ai trop là. Alors, sous la lumière. Alors, allez. On vous dit de vous mettre sous les projecteurs, de ne pas vous cacher, de laisser briller votre lumière, les Capricornes. Mets des mots sur ton ressenti. Donc voilà, on vous invite à écrire ce que vous ressentez, à exprimer ou à écrire ce que vous ressentez. Alors émotion positive, voilà pour vous, pour peut-être euh, évacuer. Alors, regarde, je vais bouger le téléphone. Je suis désolée, la carte est tombée carrément par terre. Peut-être pour évacuer des énergies négatives et retrouver des énergies positives, euh, écrire ce que vous avez sur le cœur, ça peut vous aider. Et besoin de nouveautés. On va la mettre en dessous. On la voit. Voilà. Besoin de nouveautés. Elles sont belles ces cartes, je trouve. C'est vraiment euh, des belles couleurs. Voilà, on va mettre comme ça. Voilà, peut-être pour, euh, pour apporter de la nouveauté aussi dans votre vie. Hein. Vous, vous, vous cachez peut-être des talents. Vous avez peut-être des talents d'écriture. C'est la Saint-Valentin. Ce sera peut-être aussi le moment d'écrire un, un, une belle lettre d'amour. C'est des choses qu'on ne fait plus. On va souvent penser à faire des cadeaux, à acheter, à dépenser. Mais finalement, peut-être qu'écrire ce que vous ressentez pour la personne de votre cœur, pour la Saint-Valentin. Voilà, ça peut être une belle idée. Allez, on va regarder dans la matière, parce qu'on est déjà à 16 minutes. J'avais dit que j'essaierais de faire des vidéos pas trop longues. C'est mal barré. En même temps, je suis une vraie bavarde, faut dire. J'avoue, c'est. Ça, c'est. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Ah, si les cartes arrivent vite, ça va déjà aider. Alors, amour charnel. Chance, ose la chance. et les... La chance est une opportunité, les Capricornes. Allez, encore. Quatre cartes. Là on va... Alors on a la carte de la maman qui peut parler de douceur, de générosité, d'être de ma... maternelle aussi. Ou bien ou ça vous concerne si vous êtes aussi maman. Et puis le papa. Bon, bah comme ça on a le couple. Oui, bah, je pense qu'on vous invite à, à peut-être vous retrouver en amoureux dans votre couple. Alors, femme rivale, bon crotte. <laughs> Jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Qu'est-ce que ça vient faire là Et homme rival amoureux. Ah ben nous voilà bien. Alors là, je vous avoue que bon, c'est un peu... Alors, il peut y avoir en fait peut-être un manque d'intimité euh, dans votre couple, peut-être avec trop de gens autour de vous, trop d'amis. Vous voyez peut-être trop d'amis, parce que bon, là, ou alors il y, y a des deux côtés, il y a une femme rivale de ce côté-là et un homme rival de ce côté-là. Voilà, ça je ne peux pas le nier, c'est quand même là. Voilà, bon, ça vous, vous verrez hein, si ça vous parle ou pas, c'est peut-être juste particulier vraiment. Mais on peut parler aussi en fait d'être trop, peut-être trop entouré de gens, trop discuter euh, d'être influencé par d'autres personnes. Euh, d'un côté superficiel aussi, euh, d'être trop dans la superficialité. Et là, on vous, on, on vous, on vous invite plutôt à vous retrouver euh, entre vous, dans l'intimité, et prendre du temps pour vous. Euh, comme je disais tout à l'heure à la fin avec le tarot, euh, de, 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 de peut-être prendre un week-end en amoureux, de prendre du temps pour vous avec votre, votre conjoint, votre conjointe. Euh, justement pour euh, peut-être sortir un petit peu des des, des, des personnes euh, trop des gens qui sont autour de vous qui vous qui apportent peut-être pas des énergies très positives euh, pour votre euh, votre couple. Voilà. Après, on peut parler aussi euh, avec maman et le, la carte du papa sans être vraiment dans, la, dans, dans le couple avec les enfants. La maman, c'est ça peut, on peut représenter, on peut parler de douceur, de, de générosité, d'affection. Et le papa, on peut parler de charisme, de quelqu'un qui est plutôt sécuri de sécurité, d'apporter la sécurité, de stabilité. Euh, voilà. Donc, on peut parler d'une liaison aussi, d'une liaison, d'une relation légère. Euh, plutôt superficielle, mais avec beaucoup d'affection, avec euh, quelqu'un qui pourrait avoir beaucoup de charisme aussi, et, et peut-être aussi une relation légère, affectueuse, mais qui est stable, qui, est stable, qui, qui, qui vous apporte quand même euh, euh, de la sécurité ou du réconfort. Voilà, on peut parler de ça. Ensuite, on va regarder avec un petit message encore avec l'oracle coup de cœur, qui est là, voilà. Allez, pour les capricornes, s'il vous plaît. Ah, ben bah, on en a déjà plusieurs. Allez, encore trois. Ah, mince. Je m'accroche dans le câble. Du coup, je fais bouger le téléphone. Allez, hop. Sauter celle-là. Allez, une dernière. Alors, encore deux. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti Encore, hein, comme dans l'oracle de haute vibration. Écoutez vos ressentis. Prenez le temps d'écouter votre corps, d'écouter les ressentis. Alors, ciseaux. Ouais. Il y a peut-être des liens à couper avec d'autres personnes qui interfèrent dans une relation. Retour, voilà. Retour, blessure. Projet. Ah, ça, pourrait, euh, en... ça pourrait mettre en péril un, des projets communs. Euh, alors, soit vous allez couper des projets qui sont déjà prévus, avec quelqu'un ou avec des amis ou et pour par écrit. Alors la plume, on peut parler des rêves, euh, des rêves, voilà, des, des rêves et des, et des écritures, de l'écriture de nouveau. Hein. Donc, est-ce que euh, vous pourriez euh, décider de, de couper tout projet, un projet qui était déjà prévu depuis un certain temps parce que vous ressentez que c'est pas bon, que ça va vous blesser, que vous allez être blessé. Et même si c'est quelque chose qui vous fait rêver ou vous le faites par écrit. C'est ça. Ou alors euh, vous ressentez là, vous allez ressentir cette semaine qu'il y a le, le réveil d'une blessure qui arrive. Et vous allez couper tout de suite euh, euh, bah, avec euh, Vous allez couper avec ce qui peut vous. ce qui vous fait réveiller là, cette blessure. Donc, si c'est euh, euh, un entourage ou enfin, des personnes ou un entourage ou dans une relation, ça vous verrez. Les projets, c'est les projets en commun. C'est le fait de pouvoir se projeter. Alors, soit aussi, comme on était avant avec la métisse sur une relation légère, vous pourriez aussi couper l'idée de vous projeter dans des euh, situations un peu d'illusion, c'est-à-dire peut-être d'éviter de, de faire des projets à long terme pour ne pas vous illusionner, pour, pour, de peur de réveiller certaines blessures. Ça c'est possible aussi. Euh... On peut aussi vous dire de, de, de revenir, à, de faire un retour vers vous. Hein. Le retour, c'est le retour d'une personne, mais ça peut être un retour vers soi. Pour écouter justement, prendre le temps d'écouter vos ressentis dans le corps, pour savoir ce que vous ressentez, pour reconnaître les réveils des blessures. Euh, et couper justement avec les, ce, qui, ce, qui, ce qui vous empêche de, de vous projeter, ce qui vous empêche d'aller de l'avant et de réaliser vos rêves. On peut on peut il peut y avoir de ça aussi voilà mes belles âmes du signe du capricorne je vous souhaite une belle semaine je vous dis à bientôt au revoir